côté gauche, Benjamin Dequelard. Dequelard dans la course de Christensen. C'est une belle passe. Christensen qui va chercher Sagona et son grand format et sa tête surtout. Oh, Sagona ! Déjà le but ! Déjà le but dans cette partie ! 1-0 ! Osagona, celui qu'on n'attendait pas bien sûr, puisqu'il remplace Nassens, blessé lors de l'échauffement. Eh bien, Bob Peters tout sourire, Vedran Pelic également. Ah, ce match n'a pas traîné pour démarrer. 3 minutes de jeu, Osagona. Leader bouge énormément dans ce début de partie. Il va chercher les ballons dans la deuxième ligne. Xavier Mercier le protège bien ici, le petit pointu, Vanna, deuxième ballon gardonné, il est trop court, la reprise ensuite, et l'égalisation. L'égalisation brugeoise. La reprise de Xavier Mercier. On n'est pas parvenu à dégager le ballon dans la défense de Westerlo. Ce match démarre au quart de tour. 8 minutes, un but partout. L'égalisation brugeoise. Van Hout était l'auteur d'un super barré pourtant. Et puis le ballon qui traîne, qu'on ne parvient pas à dégager. Sagona, c'est merci. Double. Omar Kwa, Tormin, on laisse trop faire. Incroyable, incroyable. Tormin qui donne l'avantage au cercle de Bruges. Le premier but brugeois est tombé il y a une minute à peine. Quel début de rencontre, incroyable. Westerlo était aux commandes et le voici mené au Marquois. On ne joue pas depuis 10 minutes, c'est fou. Et c'est Tormin ici qui donne l'avantage aux brugeois. De Bruges, Cardona qui est ouvert vers Mercier, Cardona qui reçoit le ballon de Mercier, Cardona qui va se présenter seul face à Christophe Van Hout, Cardona, le ballon au fond des filets, un but à 3 pour le cercle de Bruges alors que l'on franchit à l'instant l'heure de jeu. Arvin Cardona qui inscrit le troisième but brugeois sur une contre-attaque parfaitement menée et Xavier Mercier hein, là, qui réalise un très gros travail. Sagona contré, deuxième ballon à Nice du gauche. Oh, quel but! Oh, quel but! Quel but de Maxime à Nice!